Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. Qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous faites un défilé là ou quoi, les gars? Tout le monde retourne se coucher. En plus, on est lundi donc vous allez avoir école. Et si c'est qui? Hein? Mais non, toi aussi tu vas te coucher. Mais dis donc! Pourquoi tout le monde est levé? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Oh dodo, tout le monde. C'est la nuit. La nuit, on dort. Ouf. Ouf, j'avais oublié, c'est des... qu'il y avait des choses magnifiques dans la maison. Les œuvres de Louise commencent à fleurir dans la maison. Ouais, magnifique. C'est magnifique. Bah, oh, ça égaye, hein, et puis c'est bien. C'est même très bien. Donc, dans cet épisode, nous allons peut-être voir grandir Jermaine. Oh, Jermaine, toi, tu vas t'énerver, donc tu vas aller au pipi. Tu vas admirer ton nouveau bien. Maman, c'est elle qui va s'occuper de Jermaine. Oh, Jermaine, j'espère que c'est une blonde, hein, parce que bon, on manque un peu de blond dans la famille. On a beaucoup de roux. Voilà. Ferme-la un peu ta tronche, Germaine. Parce que on n'a pas que ça à faire, nous. Tu vas la bercer et tu retournes au lit. Pour satisfaire tes envies. C'est vrai que la dernière fois, j'avais parlé de deux choses, il me semble. C'était de soit d'agrandir un peu la maison, pour agrandir ici un peu tout ce qui était séjour. Et de fêter l'anniversaire de Joséphine. Parce que moi, ça me plaît pas. Qu'elle soit toujours pas adulte, elle sera adulte que dans 9 jours, alors que Pierre-Nard, lui, sera vieux dans 14, donc c'est chiant. C'est chiant et je veux qu'il soit un peu plus à égalité. Et effectivement, les grossesses, elles frisent toujours l'âge et ça, c'est chiant. Moi, je veux plus. Donc, on va fêter l'anniversaire de Joséphine. Voilà. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore, vous? En plus, tous les trois en même temps, hein. Trois marmots, ils grandissent en même temps. Mon petit Albert, tu vas y manger? Quand est-ce que tu grandis? 2 jours! Oh, j'ai hâte de voir à quel point il sera beau. Bah écoute, toi, va pisser, hein, si tu veux pisser. Toi, tu veux faire quoi? Eh ben, c'est parfait, vous avez chacun quelque chose à faire, avec le défilé de pyjama. Magnifique. Et la petite Louise, elle dort encore. En même temps, il faudra qu'elle se divertisse avant d'aller à l'école. Au lycée, ou ouais, peut-être qu'elle rencontrera encore des jeunes hommes qui pourront peut-être la courtiser, voyez. Mais va manger, Albert. La courtiser pour peut-être avoir des bébés derrière. Ah, bien sûr, après, mariage, tout ça, tout le bordel. Vous le savez très bien. Comment ça se passe dans la vie des Sims plus particulièrement. Louise, elle est vénère. Allez, c'est vrai qu'elle était malade la dernière fois. Mais bon. Alors, ça a tellement besoin de divertissement. Oh non, elle a encore se loupé. C'est pas grave, c'est Joséphine qui va nettoyer. Joséphine, la bonne mère. Va prendre un petit bain. Un bon petit bain des familles avec de la moumousse. Même si je pense qu'à l'époque, ils connaissaient pas la moumousse. Ou du moins, pas comme nous on la connaît. Mais bon, ça se détend. Ah, ça lui fait pas prendre de plaisir. Meuf, débarbare-toi alors. Ne prends pas de bain si tu prends pas de bain, si tu prends pas de plaisir dans ton bain. Je sais pas, hein, je peux pas te... Voilà, ma petite Joséphine est bientôt complètement. Ah, bah tiens, Louise, elle a sa nouvelle tenue et ça, elle a fait ses cheveux. Comme ça, vous pouvez voir son autre look. C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu. Voilà. Alors oui, ça fait plus petite fille, hein, mais c'est encore une jeune. C'est une ado. Hein. Putain, par contre, je la trouve vachement ronde, non? Elle aurait pas grossi d'un coup? Arthur part à l'école. C'est très bien. Tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis.
peut te faire des amis. Ah ouais, je la trouve rondouillette. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Non, 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 non. Non, non, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu fais absolument pas la vaisselle. J'ai dit non, Pierre-Nard! Oh là là. Oui, je la trouve un peu rondouillarde quand même, hein. J'ai pas l'impression qu'elle l'était. Joséphine, elle s'occupe de Germaine, c'est parfait. Tu fais parfaitement ton rôle, Joséphine. J'ai même plus besoin de leur dire de faire quoi que ce soit. J'en ai qu'à regarder. Ou presque. Bah écoute, voilà, tu nettoies. Je pensais qu'elle voulait manger, mais en fait, elle était juste nettoyée. C'est chiant qu'il met toujours le texte là. Environnement 6, 630 euros, fait par Pierre Nard. On sait, on sait. Tu sais quoi? Tu vas déjà cuisiner. Tu vas nous faire un gâteau. Tu vas nous faire un gâteau. Allez, gâteau bleu. Ce sera pour toi. Ce sera pour ton propre anniversaire, Joséphine. Germaine a vieilli. Et elle sera. Elle sera. Je m'en souviens plus ce que j'avais. Elle sera curieuse. Allez. Bon, suspense. Rousse ou blonde? Rousse ou blonde? Yeux verts ou bleus? Yeux verts, rousse. Après, il y a un bug des sourcils. Elle peut avoir les sourcils roux, mais les cheveux blonds. Mais bon, voilà. Germaine a grandi et a priori, elle est rousse aussi. Ça me mine le moral, hein. Je vous le dis. Moi, je voulais une petite blondinette. Voilà, compétence. Lui, il a rencontré Thierry. C'est parfait. Qui sont ces hommes? Qui êtes-vous, messieurs? Charles de la Fortune et Vincent Girard. Alors, Charles de la Fortune, petite dédicace à Martial, puisque c'est sa famille de Decade que j'ai aussi installée. Si vous en avez des familles de Decade ou customisées à la Decade, n'hésitez pas à les partager et à me le dire dans les commentaires. Et moi, je les installerai dans mon époque. Et vous trouverez, vous le pourrez les croiser de temps en temps, peut-être même les marier avec mes petites enfants. Tu vas jouer avec ta fille? Tu vas y ménager en... Quoi? Pardon. Comme un fou, comme un soldat, nous avons trouvé les lettres d'amour d'Arthur à son instituteur dans son bureau. Rien d'osé, mais nous n'avons... Comment ça? Arthur serait homosexuel? Bah dis donc. Il va y avoir de grands ennuis, c'est inapproprié, nous en discuterons. Allez. Voilà. Oh, une rouquine! Ma petite rouquine. Volontaire, mais c'est... Ah, mais punaise, je peux même pas profiter du jeu. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde Arthur, mais ce dernier voit bien que l'élève à côté de lui. Envoyez l'autre élève. Ok, bon bah, je pense qu'Arthur, il a pas passé une bonne journée, hein. Si? Toi, tu te fais des amis aussi. C'est trop chouchou. Ma petite Germaine. Ils ont trop bien fait les cris des petits, je trouve vraiment. Peut-être qu'ils ont enregistré un vrai petit enfant qui faisait ces bruits-là. Hein. Tiens, tu vas... Il fait quoi, Pierre Nard? Ah, il prend un bain. Tranquille, Emile. Bon, tu vas nettoyer ça. Ça, c'est pas encore sec. Donc, c'est très bien. Très inspirée, la petite Joséphine. Tu vas souffler les bougies, Joséphine, et tu vas vieillir instantanément dans l'âge adulte. Je trouve ça pas mal. Et puis tu pourras du coup faire des... Enfin, juste rien de spécial de plus, mais disons que tu mourras juste un peu plus rapidement que ce que tu avais prévu. C'est méchant, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Non, et puis c'est chiant cette histoire de friser la grossesse. Je veux bien ralentir, mais de la friser complètement, je trouve ça un peu con, quoi. Bien sûr, tu vas prendre dans l'autre sens, hein. D'accord. Voilà. Hop! Joséphine a vieilli, elle a des petites ridouilles. Oh, ma belle!
t'es toujours aussi jolie, va t'inquiète. Allez, tu peux, non, tu peux pas ranger. Range le gâteau. Range le gâteau. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Fais pas de conneries, Pierre-Nard, hein, je te vois venir. Non, bah voilà. Toi, tu vas t'occuper du jardin. Hop! C'est ta tâche principale. Non, mais... Ouais, la petite est à la fin. Mais laisse! C'est pas vrai. Bah, j'aurais pas eu le temps de faire quoi que ce soit, hein, vous avez remarqué. Elle mange des chips. Donnez des chips. Ah, mais c'est tout cassé! Mais j'en ai marre! Et toi, tu me... Mais c'est pas possible, non. Et à chaque fois, le truc, il se remet en sonore et tout, alors que les autres, ça reste en muet, je comprends pas. Mais il y a tout le monde qui appelle, quoi. Non! Mais arrêtez de nous harceler! Bon sang de bonsoir! Tu veux essuyer? Pierre-Nard, dès qu'il aura fini, il viendra réparer en un coup de cuillère à peau. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Le linge n'est toujours pas sec. On est bien. Oh putain. Saloperie. Saloperie! Tu vas éliminer la journée, tu vas la relâcher. Et puis on va aussi la relooker. On change les faits. Et nous voilà pour le relooking de Germaine. Germaine. Vous voyez, magnifique au chapeau. Attention. Et voilà. Elle est bien rousse. C'est la révélation. Super, ça lui va bien. Ça fait penser à Louise qui est aussi avec ses tresses aujourd'hui. Bah ouais, je la trouve fat. D'un coup, non? Voilà. Ou alors c'est sa tenue, l'autre tenue qui me fait penser que... Ah ouais, ça l'amincit plus cette tenue-là que cette tenue-là, je trouve. Enfin bref, hein, nous on est venu pour relooker la petite Germaine. Donc je la relook et je vous retrouve juste après. Alors voilà pour le relooking de Germaine, donc je suis restée sur la même coupe de cheveux parce qu'effectivement ça lui va bien. J'ai mis une petite robette d'époque, on va dire qu'elle a hérité de sa sœur. Hein. Bon, bref, ça fait loin mais elle l'a eu quand même. Les petites chaussures c'était aussi des CC que j'ai récupérés, que malheureusement en fait c'était zippé et puis j'avais pas de dézippeur. Bon, bref, hein. Voilà, un peu d'époque. Sa deuxième tenue c'est un peu plus actuel, j'ai gardé quand même du coup les chaussures avec sa petite jupette, son cardigan, tout ça. Sa tenue de fête, classique. Sa tenue de dodo, la petite grenouillère rose. Et sa tenue de fête, ça. Mais bon, de toute façon, je doute qu'on fasse une fête. En tout cas, voilà pour le relooking de Germaine. Voilà. La petite est là. Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fous là? On t'a pas demandé ça. Si, on t'a demandé d'aller réparer là-haut, c'est vrai. Réparer. Mais t'as pas fini de t'occuper du jardin. Donc, tu vas entretenir le jardin. Tu laisses la petite. Maman. Moi. On mange. Pierre-Nard. Laisse ça. Laisse-la. Ouais, je veux la poupée. Non, elle a faim. Mais oui, mais c'est débile, on lui donne à bouffer. Elle mange pas. Forcément, tu vas prendre une portion. Après, tu iras dormir. Pas nous casser les pieds, hein! Petite conne, déjà, t'aurais dû être blonde. Ah, le racisme des cheveux, quoi. Bon, pendant le relooking, j'ai profité pour mettre une nouvelle tenue à Joséphine, qui est un autre CC d'une autre robe. De la même époque et qui est super belle aussi. Et bah, j'attendrai de que qu'elle la montre pour qu'on puisse que vous puissiez l'admirer. Donc lui, il va retourner, elle après, elle va faire ça. Joséphine, qu'est-ce que tu peux faire? Joséphine, qu'est-ce que tu peux faire? Bah ouais, t'as plus rien à faire. C'est beau la vie. Ah non, tu dois te prendre, tu dois emmener le linge. Allez, tu vas faire le linge. Ah ouais, tu voulais t'occuper de la flaque. Eh ben, tu pourras la faire après.
Ben oui, ben c'est presque qu'on va s'ennuyer, dis donc, avec Joséphine, parce que là, dire Pierre Nard, il est attelé à sa à une tâche. Et ben ça, mais Joséphine a fait tellement de choses. Le panier à linge, j'ai quand même presque plein, donc tu vas aller fouiller. Tu vas nettoyer ça d'ailleurs, parce que vu qu'elle en a foutu partout cette saloperie. Au moins ça sera fait. Pouvoir ainsi récupérer un peu des plantouilles. Ça, c'est plutôt du coup positif. Est-ce que tu trouves des trucs intéressants? Alors, Arthur est rentré de l'école. B pour Arthur. Gustave est rentré de l'école. Oh là là. Arthur. Oh non, mais pas ça! Arthur avec son animal totem, mais non, mais c'est chiant, ça ne fonctionne pas avec le challenge, mon petit. Tu vas t'habiller. Je m'en fiche que t'ailles pas bien. Tu vois, là vraiment j'en ai rien à secouer, mais avec le challenge ça fonctionne pas. Tristesse insupportable. Arthur, ouais bah et crotte de nez. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Tu vas aller prendre un bain. Toi. Tu vas aller manger un truc, tu vas t'amuser aussi. Albert, tu vas aller aux toilettes. Et Gustave. Hugo Gustave, il est devenu un petit garçon. Il est beau, le Gustave, il est beau. Et puis, bah, toi, tu vas aller faire tes devoirs tout de suite, comme ça sera fait. Oh mon Dieu! Crochet scolaire. Fichtre, diantre et merde de crotte de nez. Parce que c'est. Je n'aime pas. En fait, c'est ça, j'ai même pas lu. Moi, j'ai pas. Oh là là, ils en ont tous un. Oh. Toi, t'es méga énergisé. Quoi? Gustave, mais. Oh là là. Mais ils sont rentrés d'école, mais ça va toujours pas, quand même. Hein. Ok. Pourquoi y a-t-il distribué? D'accord. Facture de 2400. D'accord. C'est pas toi, ça c'est toi. Toi tu devais manger aussi. Tu déconnes. Moi c'est Louise. Et après tu commenceras à travailler soigneusement. T'es en train de donner faire des. Oh c'est mignon. Bon alors il faut qu'elle ait un enfant qui est moyenne de A au lycée. Donc on compte tous sur toi, Louise. Elle a B, ça va monter parce qu'elle va faire ses devoirs et tout, donc ça va aller. Garza, Franga Gwis, Dens Doba, Tribna, Tunga Chusen, Bunga. Chilo, Penive, Conversation. Payfin, Binfahab, Dibbles. Illuminer la journée, allez, les filles, faire connaissance. Fire. Désolée. Torka Chusen. C'est pas nous là, on voit plus les têtes, hein. Mais va aux toilettes! Idiot! Bon. Toi. Attendez, moi je sais plus. Toi aussi, t'as un projet scolaire? Allez! Vas-y, va faire ton travail. On va faire ton travail. Toi, tu t'ennuies maintenant, ma petite Joséphine, tu vas aller nettoyer. Non, mais elle va aller là-haut pour ça. Ah oui, parce que lui va là-haut. D'accord! Chassé croisé de Sims. Tout va bien. Pierre Nard, il est toujours avec son jardin. Tu pourras faire évoluer des trucs, apparemment. Toujours et encore, et faire évoluer. Hein. J'ai l'impression que c'est ad vitam aeternam, l'évolution. Et le festival Frasque Humour, tant mieux pour eux, parce que nous n'irons point. Ah, elle est partie border la petite. Pardon, excusez-moi. Bah c'est bien, Joséphine. Bah je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire de toi? J'ai des bonnes questions, moi. Faire une lessive? À faire une lessive.
Après, Germaine, on va pas la laisser dormir trop longtemps non plus. Sinon, elle va pas dormir de la nuit et elle va nous casser les pieds. Tu vas te réveiller, cocotte. Tu vas jouer un peu avec les cubes. Et tu vas jouer après à la poupée. Gna gna gna, je veux retourner au lit. Oui, bah comme tout le monde. Hein. Félicitations pour ton anniversaire. Ah, merci, c'est gentil. Et alors, il y en a un qui fait pas de projet scolaire, c'est lui. Toi, tu vas aller manger. Albert, dis-moi que t'en as un aussi. Bah oui, parce que c'est la fête au projet scolaire. Et tu vas après commencer à travailler soigneusement, tranquillement, surtout. Voilà, tout le monde dans le jardin fait ce qu'il a à faire entre les projets scolaires et la lessive. C'est beau, la vie, c'est beau. Oui! Non, 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 non! Eh oh! Tu vas vider la lessive à la corde à linge. Tu fais pas... c'est pas bizant si tu fais pas. Hein. Voilà, après tu changeras l'eau. Ce serait une bonne chose de faite. Alors, une seule chaussette, le petit caleçon à cœur de Pierre Nard, qu'on lui a pas mis mais qu'il a quand même. Si tu t'ennuies, ma belle, tu peux nettoyer ça. Tu peux ranger ça. Il y a toujours plein de choses à faire dans la maison. Crois-moi. Que la petite, elle s'amuse à être fatiguée. Eh ouais, bah écoute. Il va être l'heure. Tu vas raconter une histoire aux bambinos. Pour aller... Avant d'aller au lit. Pff, je dis n'importe quoi. Les enfants n'ont toujours pas fini leur projet scolaire. C'est la fête à neuneux. Pierre Nard, lui... Il a fini son petit jardin. Magnifique. Il va faire son petit pipi. Sinon, il va te picher dessus. Et ça, c'est la spécialité de Joséphine. Donc, chacun son rôle. Hein. Lui, c'est le jardin. Le pipi dessus, c'est Joséphine. Oh là là, ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il a ? Se détendre dans un sauna. Oui, mais ça n'existe pas encore, petit fou. Peut-être dans certains pays, tout ça, mais... Pas à ton époque, un sauna, tout ça, ça n'existe pas. En tout cas, pas pour la famille de Saint-Paul. Oui, Arthur est responsable. Mais il est triste. C'est Albert qu'il fallait que je fasse augmenter. Ouf, il est très responsable, mais contrôle des émotions et l'empathie. Il est trop chiant, hein ? Dis donc. Bon, pour l'instant, il bosse. Ils peuvent pas faire 30 000 choses. Ils ont pas fini. Hein. C'est chiant que ce soit aussi long. Par contre, ouais. Elle est empathique, manière et responsabilité. À Louise, elle est bien petite. Et elle grandit dans 10 jours. Donc dans 10 jours, nous serons en 1910. Ça va vite la vie, hein. C'est comme ça. Hein. Ça va vite. En moins de temps qu'il faut pour le dire. Et ben voilà, quoi. La vie se passe. Et nous avons un gagnant. Arthur Couillère, tu mets dans l'inventaire. Il a fini son projet scolaire, donc c'est cool, tu peux pouvoir aller manger. Tu as cette récompense-là. C'est Gaston qui a fini son projet scolaire aussi, c'est super, tu peux le mettre... Attendez, non. Ah, tu peux provoquer la réaction chimique. Waouh, c'est beau. Vas-y, mets-toi dans ton inventaire, tu vas pipi, tu vas manger. Tu es soulagé de ce fardal. De ce fardeau, hein. Moi, je dis fardal. Ok, c'est bon, il va manger. Lui, ça va. Il va casser ses occupations. Il n'y a que les aînés qui n'ont pas encore fini leur projet scolaire. Ah bah si, Louise, ça y est. Pouf, elle a fait un pont. Elle est contente. Une meilleure note lui a été attribuée. Bah elle est toujours à B, hein. Mais bon, je pense que s'il faut qu'il retourne à l'école pour que ce soit validé, donc du coup ce sera pour le lendemain. Albert, t'as presque fini. Tu as l'autorisation de prendre un bain après. Donc tu devrais vraiment y arriver sous peu. Si ça, avec une carte comme ça, c'est pas du tout d'époque. On n'en dira rien, on dira rien.
Nous ne dirons mot. Est-ce que tu vas nous, tout nous faire péter? Tu fais aussi un volcan, toi, en vrai. Dépêche-toi. Allez. Témoin de maltraitance. Les enfants étaient méchants avec un de mes amis. Interview devant ton ami. Oh, ouais, tant pis. Tant pis! On fera un travail... Va manger, Gustave. Pour l'instant, ils sont pas non plus des... Oh, quoi que les manières, c'est pas terrible, terrible, mais pour l'instant, ça va encore. Compétence 6, négation. Toi, ça va pas. Donc, ça va pas. Tu... Bah ouais, tu fais ce que tu dois faire. Va te détendre, va jouer au truc si tu veux. Projet scolaire rapidement. Et voilà, lui, il a terminé aussi son projet scolaire. C'est cool, tu veux le mettre dans l'inventaire après, mais surtout va te détendre, va faire ce qu'il faut. Voir le projet. Allez, tout va aller mieux très bientôt pour tout le monde. Croyez-y. Oula, c'est quoi cette musique? Les enfants, il n'y a pas de musique comme ça, hein. C'est de la musique de jardin. Je veux savoir ce que c'est la musique de jardin. C'est ça la musique de jardin? Tu te fous de ma gueule un peu? Changer de station baroque, allez. Voilà. Ça c'est plus logique déjà. Les enfants. Alors les parents ils sont déjà partis. Mais non, viens manger, pisser, toi, non, bah non. Toi, tu vas te divertir. Non, d'ailleurs, avant, tu vas discuter avec tes enfants. Voilà, complimenter la tenue. Oh, mais cette robe, je la connais, dis donc. Elle te va bien, la robe de ta mère. Tu vas parler d'art. En plus, vu que Louise, elle peint un petit peu, ça va peut-être lui faire écho en elle. Ouais, bon, va dormir, t'as raison, c'est pas grave. Bernard, il te parlera pas. Tu peux parler aussi à ta femme, hein. Mais arrête de lire, du con! Oh là là! Vous me fatiguez tellement, si vous saviez les Sims. Mais c'est bon! Mais arrête avec tes bouquins! Ah, vous me fatiguez! Vous me fatiguez. C'est bon, on va parler à ta fille si ta femme veut pas te parler. Tu parleras après à ta femme. Voilà. Oh là là. Ah, quand même. Les femmes de sa vie. J'allais dire sa mère et sa fille. Sa femme et sa fille. Pas sa mère et sa fille. Cela, ça serait un peu plus bizarre si c'était sa mère. Tous les monstres sont partis. Se coucher, Germaine. Oui, Germaine. Bah oui, Germaine. Toi, tu remontes ton divertissement, t'as raison. On va te laisser faire, mais il est 1h du matin, donc en fait, non, tu vas être couché. Toi, tu vas aller aux toilettes. Bernard, tu veux un peu trop monter le divertissement. Ouais, oui. Oui, bien sûr. Allez. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser les mêmes toilettes deux fois. Oh là 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 là. Mais punaise, pourquoi vous savez pas dormir? Dormir, pas faire une sieste. C'est quand même bien pas bien compliqué. Oh non, Albert. Là, tu vas manger, Albert. Et tu vas venir tout de suite dormir, parce que là, tu me casses les pieds. À défaut de pas être grossière, pour de temps en temps quand même, j'essaie de me tenir. Bon, pas longtemps, hein, je vous assure, ça dure pas très longtemps. Joséphine, je crois que le linge est sec. Ouais, donc tu vas pouvoir le ranger tout de suite. Elle est où? Ah bah voilà la nouvelle tenue. Donc, de Joséphine... Le chapeau, il n'y avait pas les couleurs qui allaient avec, donc je n'en ai pas mis.
Mais elle est très très belle. Elle rend bien quand même. Vous voilà. D'accord, donc elle parle, elle chante, on dirait quand elle fait ça. C'est logique. Et tu pourras du coup aller faire dodo pour bien te reposer après tout ça. Albert, t'oublieras pas d'y aller aussi. Il est un peu 2h20 du mat. Non, alors tu jettes pas ton assiette, hein, tu vas te coucher direct. T'as beau être bien élevé, tu n'en restes pas moins un être de sexe masculin. Et dans la maison, c'est pas... C'est l'homme qui dirige, c'est la femme qui fait le ménage. Hop là! En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode du DK Challenge ou d'autres choses très rapidement. En attendant, je vous embrasse. Allez, salut!